bien, mes chers amis, bonjour. Quoi de plus naturel que de rire? C'est Alphonse Allais qui disait « Le rire est à l'homme ce que la pression est à la bière ». Alors nous allons vous le prouver grâce à une série de scénettes que produiront l'association Beaux Hasards durant toute cette année, en région d'à peu près une par trimestre, voire peut-être si on peut le faire une par mois. Nous allons vous présenter toute une série d'événements comiques qui sont bien sûr l'objet de toute notre vie politique actuelle et pour laquelle tout le monde a tendance à rire, il faut le dire. Voilà. Alors la première scénette, ça sera un événement qui se produit quotidiennement. Lorsqu'un président de la République fait une inauguration, voire même tout simplement visite une maison de retraite, une EHPAD, on va dire. Déjà, le mot, le lapsus est révélateur, j'allais dire une EHPAD. Non, une EHPAD. Lorsque le président de la République visite une EHPAD, les occupants sont tellement émus, tellement extraordinairement surpris que tout le monde se lâche. Et quand je dis se lâche, vous avez bien compris de quoi il s'agit. La directrice de l'EHPAD en a plein la blouse, plein la figure, tout le monde est là, on ne sait pas quoi faire, et vous avez le premier intervieweur qui arrive et qui montre à l'écran la situation telle qu'elle est. Alors vous pensez que c'est un éclat de rire général. Nous allons commencer par ça. Je vais vous présenter une série d'événements et d'interviews des acteurs. On peut appeler ça d'ailleurs, actuellement c'est la mode, making of. Voilà, making of exactement, c'est pour les puristes du langage. Allez, suivez-moi. Voilà, je suis en face de Roland Libert, réalisateur. Alors, Roland, le scénario d'abord est de qui ce film? Oh, c'est né un petit peu des idées, des élucubrations un petit peu de l'équipe Boisard et par rapport à la rubrique Fata Folding. Voilà, donc c'est alimenté un petit peu par les délires. Par les délires. Voilà, vous êtes à la fois réalisateur, scénariste, on peut dire. Oui. Ouais. Et c'est dur de faire tout ça à la fois. Oui, surtout quand on le fait dans le désordre. Mais non, mais je plaisante. C'est du plaisir. Il faut s'adapter à tout. Aujourd'hui, nous avons la pluie. Demain, nous aurons le beau temps. Vous avez donc prévu tous ces événements ou c'est vraiment de l'impondérable et puis de l'organisation immédiate? Vous savez, c'est le cinéma, c'est un petit peu comme le boulot de flic. Hein. On improvise tout le temps, quoi. Donc, c'est de l'improvisation en permanence. Bon, on essaie de prévoir, quand on est à l'extérieur, le temps, mais bon, malheureusement, on a aucune incidence. Et puis quand tout le monde essaie de planifier, c'est très dur de tout annuler. Alors, tout ça, ce sont des scénettes. Alors, expliquez-nous dans quel but ça sera fait, ces scénettes. Est-ce que c'est à but de passer sur les réseaux sociaux, sur notre groupe, sur votre site? Qu'est-ce que ça va être, où, ça, exactement? Alors, ces scénettes, c'est parti de l'idée d'abord de s'amuser, de prendre du plaisir en dehors des tournages, on va dire, des films. Et alors, ça a plusieurs avantages. C'est un, ça permet de faire tourner les équipes techniques, les acteurs, de les former, parce que le but aussi de l'asso, c'est de former les gens aux techniques du cinéma et au travail d'acteur. Donc ces petites scénettes, comme elles sont assez courtes, ça permet de faire travailler les gens. Et ça part, c'est surtout, on part sur des dictons, sur des situations actuelles, vécues, sur des personnages existants ou n'ayant pas existé. Quoi. Voilà, donc c'est vraiment partie de l'imaginaire du groupe. Quoi. Voilà. C'est ça. Et ça va passer plusieurs fois à des rythmes qui sont automatiquement prévus ou... Oui, alors d'abord, ça sera sur notre chaîne YouTube, sur Boisard. Et là, on en a déjà trois qui vont être prêtes. Et donc on a prévu après de produire de façon régulière ces scénettes.
et voir un petit peu comment elles vont être accueillies par le public. Mmh. Voilà, donc c'est surtout prendre du plaisir. Alors c'est vous qui êtes à la fois réalisateur, je le disais, scénariste, également monteur. Un film comme ça, des scénettes comme ça, dure longtemps, depuis le début de la programmation jusqu'à la fin de la réalisation. Ah mais pour la préparation, c'est d'abord il y a le travail d'écriture, hein, comme tout scénario. En durée, elles vont faire 2-3 minutes. Et voilà, donc c'est beaucoup de travail, quoi. Il y a beaucoup de travail de préparation en amont. Les acteurs, ils prennent leur rôle au sérieux, donc il y a du vrai travail devant la caméra, de placement. C'est une organisation. On le fait en s'amusant, mais on le fait de façon sérieuse. Professionnelle. Voilà, très professionnelle. Exactement. Et on s'impose la rigueur d'un tournage professionnel. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment de ces quelques minutes que vous avez dédiées à notre reportage. Merci beaucoup, Roland Lair, et bon courage. Hein, ouais, merci pour l'avenir. Entre malmenage, matraquage et brutalité, certains journalistes seraient-ils victimes de leur allégeance au pouvoir? C'était Alphonse Allais qui disait « C'est quand on sert une femme de trop près qu'elle trouve que l'on va trop loin. Pour un président de la République française, c'est pareil. » Alors la garde rapprochée de Monsieur le Président doit faire face à du discernement. Et demander du discernement à des barbouzes, c'est demander d'avoir de la sensibilité à un gorille en rut. Voici donc le résultat d'un journaliste trop zélé. Bonjour messieurs, comment allez-vous estirper le président? Tu me dégages ce connard. Toi, tourne-le. Ton micro, je vais te foutre dans le cul. Monsieur Jean-Jacques Suil, vous venez de réaliser un exploit. On vous a pris comme ça, ça fait mal? Écoutez, c'est la première fois, mais ça sera la dernière. Ça sera la dernière. Ah, ouais. Alors, d'après ce que j'ai compris, vous faites l'objet d'un journaliste. Un journaliste, on sait qui c'est, mais enfin, on ne va pas le nommer, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, écoutez, sa position était quand même dangereuse. Oui. Parce qu'il est venu ici en toute liberté pour faire un commentaire, et à la fin, il a failli perdre la vie. Oui. Alors, c'est quand même une affaire délicate. C'est une affaire très, très délicate, surtout avec les costauds que vous aviez autour. Voilà. Ce sont des plongeurs. Alors, moi, j'imaginais des plongeurs en tenue de plongée, sauf que là, ils avaient les mitraillettes sous le manteau. Dans la tâche-caisse, il y avait la bombe, le parapluie à déployer pour protéger M. le Président, ou l'estirper d'une manière un peu plus cavalière. Donc c'était quand même une situation rocambolesque. D'accord. Pour mon premier reportage, c'était mon premier reportage. C'était votre premier reportage. En tout cas, voilà ce qui arrive à certains journalistes trop zélés. Au fait, le maquillage d'un journaliste tabassé, savez-vous comment ça se passe? Arriver à une telle perfection de réalité demande un savoir-faire hors du commun. C'est ce que nous montre Guillaume Huillier, spécialiste maquilleur à la production Boaza. Il faut dire que maquilleur, vous avez l'habitude. L'habitude, j'ai eu plus d'expérience avec le maquilleur. On le voit tout à l'heure. Vous me l'avez rendu donc le reporter dans un état pitoyable. J'aimerais pas être comme ça d'ailleurs. C'est grâce à vous. Hein. Ouais, voilà. Oui, je ne sais pas si c'est grâce, à cause de moi peut-être. Ouais. Alors, le maquillage, en deux mots, c'est vous qui les faites? Les produits, c'est vous qui les faites? Ça s'achète dans le commerce? Non, moi, c'est principalement avec des fards gras, c'est avec ce qu'on peut trouver dans le commerce. Donc, parce qu'on a vu qu'il saignait du nez, il faut quand même le faire, ça. Ça, c'est avec des petites marques semi-pro que j'achète, mais c'est principalement avec des choses qu'on peut acheter facilement, qui sont abordables dans le commerce. Voilà. Donc ça va être des rouges à lèvres, ça va être du faux sang, dans un magasin de farce et attrape, et puis voilà. En fait, je vais terminer là-dessus, vous pouvez casser la figure à tout le monde sans que pour autant il soit mécontent, hein, c'est ça. Ça merci. J'ai pas de plainte. Merci Guillaume, merci infiniment. De rien. Ah, nous sommes là devant le principal garde du corps de Monsieur le Président, Cyril Alibert. Vous êtes le chef barbouze des tontons flingueurs de Sa Majesté, cher ami, non? Oui, tout à fait. Oui. En fait, nous,
On a une très forte expérience du terrain avec mes collègues et quand il y a des situations très difficiles. Voilà. Il faut dire que vous avez le physique aussi, vous avez la présentation, vous avez tout pour le faire même en temps réel et professionnellement, non ? Oui, effectivement. Oui. Vous êtes, on a été préparé. Vous avez été préparé, voilà. Et dans le GIGN, non, vous avez. C'est des guignols, oui, je comprends ce que vous dites. Oui. Nous, on fait partie d'une branche vraiment spéciale. Très spéciale des aristocrates français. Donc, nous sommes très fiers de servir la France. Oui. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Oui, parce que ça rentre dans le top secret. Bien entendu. Voilà. Vous êtes à la fois le GIGN, mais l'internet. Si je voilà. Vous en disais plus, je serais obligé de vous éliminer. Oui, d'accord. Alors je vais éteindre immédiatement parce que je commence à avoir peur. Il vaut mieux. Merci Cyril. Et bon. N'oubliez pas de fouter mon visage. Oui. Merci. Au fait, je n'ai pas parlé de madame la directrice de la maison de retraite Sainte-Gastro. Heureusement, qui sent le chocolat plutôt que ce qu'elle est censée sentir, l'actrice Marie-Agata, nous donne son impression. Alors Marie-Agata, bonjour, vous êtes la directrice de cette EHPAD. On a choisi le nom, n'est-ce pas hein? Il est charmant. À vous voir, vous avez, je n'ose pas l'exprimer, beaucoup d'excréments dessus, qui n'est finalement que du chocolat pour le cinéma. Hein? Oui, heureusement, voilà. Ce n'est que du chocolat. Ce n'est que du chocolat. Ça a été dur pour tourner ce film Ça a été dur de garder son sang-froid. Son sang-froid, c'est ça. Une situation un petit peu ubuesque. Donc, le plus dur, c'était ça. D'accord. De rester... Mais vous l'avez fait avec brio, je vous remercie, c'est extraordinaire. Maintenant, nous allons passer aux autres. Alors, partout où il intervient, le policier, appelé également flic, a un but répressif. Sa figure est donc adaptée à sa profession. Philippe Larnet, lui, nage dans le concret, la subtilité et le sentimental. Bref, tout ce qui peut émerger de l'eau trouble. La production l'a choisi parce que c'est un homme courtois, spirituel, qui manie la répression toujours en compagnie de ses meilleurs amis, le calibre de 38 spécial ou le 357 Magnum qu'il utilise dans tous les déplacements présidentiels avec tact et délicatesse. C'est souvent fréquent, des présidents. Bon, c'est pas... Oui. Non mais quand je vois les quatre guignols qui sont arrivés là, en noir, avec leurs lunettes... Non, ce sont des rigolos, là. Tout seul, je faisais la même chose. Oui, mais vous seriez capable de le dire devant eux. Ah ben non, mais ils sont partis. Non, ils sont partis, d'accord. Mais bon, il n'y a pas de problème. Écoutez, ça vous met policier provisoirement, mais est-ce que ça vous incite à être policier? Non, je vais y rester, oui. Ah, vous allez rester policier? Oui. Et puis je vise de l'intérieur, quoi. Oui, c'est de l'intérieur, oui. C'est ça. Alors vous faites partie de la production Beauxhasard, vous êtes acteur donc, et c'est souvent que vous êtes comme souvent, ça. Souvent, oui, chaque fois. Oui, souvent. Bon, alors je pense que vous allez être là entouré de tous les autres. Voilà. Est-ce que vous maintenez Pas vraiment. Bon. Alors, messieurs, on vous a vu tout à l'heure intervenir lorsque j'interviewais le policier. Vous l'avez séquestré, vous l'avez matraqué. Vous faites partie donc des gens de la destruction dans ce film. Qu'est-ce que c'est exactement? Ce sont des barbouzes? Comment peut-on vous appeler? Eh bien, présente Avrel. Avrel, oui, barbouze. Jacques, et moi, mon surnom, c'est Joe. Rintintin. Rintintin. D'accord. Mais dites-moi, alors, c'est... Je tiens à signaler qu'en ce que vous habitez, n'oubliez pas ça. Oui, mais bien sûr. Attendez, j'ai quand même une carte de presse, je suis préservé. Et puis, je connais bien Macron, vous savez, c'est la magouille, tout non, ça. Mais c'est nous, normal. Les journalistes, vous savez ce qu'on en fait. Oui. Vous allez au-delà de tout ça, bien sûr. Monsieur, vous avez des soucis? Vous avez des soucis? Des soucis? Non, je vais pas. Oui, vous pouvez intervenir, monsieur. Non, vous voulez pas intervenir. Non. D'après ce que je vois, vous avez des difficultés pour intervenir auprès de ces messieurs. Non, je vois bien. Ah bon, très bien. Bon, c'est parfait. Messieurs, au revoir et à plus. Merci encore.
Rien ne pourrait se faire sans les techniciens et les organisateurs des prises de vue, et notamment les caméramans et la script que je vous présente en la personne de ces demoiselles, Élodie Bonneau et Estelle Tapie, script et caméraman de la production. Alors mesdames, je commence par la gauche, Élodie Bonneau. Bonjour Élodie, vous êtes donc script on dit, n'est-ce pas ? Script, merci, et à la fois organisatrice, et à droite, la caméraman, si on peut dire, Estelle Tapie. Bon, alors mesdames, on va commencer par la script. En quoi ça consiste pour celui qui ne connaît pas le cinéma ? Qu'est-ce qu'une script ? Une script, c'est les yeux du réalisateur et les oreilles du réalisateur aussi. C'est-à-dire que, par exemple, un acteur va venir se placer ici, on a la perche, et c'est si ça. La perche rentre dans le champ et que le réalisateur ne l'a pas vu, il faut lui préciser parce qu'il faut qu'on retourne. C'est ça, exactement. Et vous avez aussi la notion de plan. Mais ça, je vais m'adresser beaucoup plutôt à la caméraman. Hein, oui, il faut pas appeler les choses, n'est-ce pas, au féminin maintenant, car nous avons une caméraman. Caméraman qui, elle, s'occupe alors de quoi ? Surtout des plans. Des plans, du mécanisme de la caméra. Voilà, et aussi, quand la script ne peut pas voir ou quoi que ce soit, comme elle disait, voilà, il y a la perche, il y a un défaut, il y a quelqu'un dans le champ, on voit en fond quelqu'un qui ne devrait pas, enfin voilà. C'est ça, alors habituellement, dans la télévision, on le voit de moins, souvent on appelle cela un cadreur, mais c'est un terme qui ne vous convient pas, c'est plutôt technicien. C'est plus, voilà. Caméraman est mieux. C'est ça. Voilà, parce que c'est plus technique et tout ça. Bon, on a un vivant exemple de ce que peut être le fond du cinéma, les personnes qu'on ne voit pas, les invisibles, comme on dit, mais qui ont autant de travail que finalement les acteurs qui sont devant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui. On ne voit pas tout ce qu'il y a derrière, mais il y a beaucoup de travail quand même. Il y a beaucoup de travail. En amont et après, en arrière, c'est ça. Bon, mesdames, au moins là, vous êtes devant la caméra, c'est formidable, on vous connaît, on vous voit, on sait qu'est-ce qui est derrière et pourquoi on a des beaux films, c'est grâce à vous. Merci. Allez, merci, au revoir. Eh bien, mes chers amis, c'est sur ces images que nous allons nous quitter. Vous verrez toutes ces scénettes régulièrement sur notre site internet ou bien sur YouTube, au lien qui s'affiche sur écran. Tant qu'à moi, je vous invite à nous retrouver dans une atmosphère des plus hilarantes. Allez, à plus tard. Au revoir.
Alors Maria Agathe.